Tu te souviens quand est-ce qu'on a commencé cette idée ou ce projet? Je venais de voir dans ton atelier de céramique. Oui, c'est et tu me montrais des petits arbres. Oui. J'ai commencé à faire, une des premières choses, c'était arbre d'olivier. Et après, figuier, grenade. C'est devenu beaucoup plus de variétés. Mais tout était quand même naturel. Et les arbres, c'est qui est très proche. C'est presque qui me donne oxygène, vrai oxygène à mon esprit. Et ces arbres, ils ont grandi pour devenir des grandes sculptures. Ça, c'est vrai. Quand est-ce que tu as commencé à faire ces céramiques? C'est-à-dire que souvent, quand je fais quelque chose, oui, il y a des longs moments d'attente parce que ça va à four, ça doit revenir. J'étais toujours attirée vers les arbres parce que je vis dans les arbres. D'accord. En Suisse. C'est le côté racine et qui grandit, qui fait des fruits, fleurs et des grains. Et ça continue. Et souvent, les arbres peuvent vivre beaucoup plus longtemps que nous. Ce qui est assez incroyable, c'est finalement cette relation, et peut-être que c'est aussi une approche japonaise aussi, où les arts appliqués font partie des arts au sens large. Ouais. C'est le cas ou pas? C'est absolument, tout à fait. Parce que chez nous, il n'y a pas de frontières. D'ailleurs, cette définition de l'art aussi, c'est plus vaste. Dans l'exposition, tu as accepté de pouvoir montrer des peintures que tu as réalisées de la fin des années 70 jusqu'à maintenant. La façon dont tu fais, que tu crées ces œuvres, c'est finalement c'est d'arriver à mettre un peu de tous les morceaux de toi dans ces œuvres. Autour de moi. Oui. Oui. Tout ce que je vois autour de moi. Et d'ailleurs, j'achète des tissus si j'ai envie de dessiner, souvent. Un tout petit peu, c'est d'abord une nécessité ou envie de peindre, je prends des objets.